Les rapports peuvent être sélectionnés manuellement lorsque le mode manuel est engagé. En mode manuel, la plage des rapports s'affiche dans l'indicateur de position du groupe d'instruments. En mode manuel, tirez sur la manette droite de changement de rapport pour passer au rapport supérieur. Pour rétrograder, tirez sur la manette gauche de changement de rapport. Utilisez le 8e rapport pour conduire dans des conditions normales sur l'autoroute. Utilisez les 7e, 6e et 5e rapports lorsque vous conduisez sur de longues montées ou pour vous servir du frein moteur sur de longues descentes. Les rapports de la 4e à la 2e sont idéaux pour gravir des pentes ou les descendre à l'aide du frein moteur. Le premier rapport peut servir à gravir lentement des pentes raides, à conduire à basse vitesse ou à maximiser l'utilisation du frein moteur sur les pentes descendantes abruptes. Ne roulez pas à grande vitesse pendant des périodes prolongées avec un rapport enclenché inférieur au 8e. Ceci augmente la consommation de carburant. Pour annuler le mode de sélection manuel, replacez le levier de vitesse en mode de conduite normale. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.